Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Nicolas avec le casque bleu, blanc, rouge. On a Sébastien derrière habillé en rouge avec le casque beige. On a Mathieu et Nathalie plus loin derrière. On se retrouve pour une petite nocturne organisée entre nous. Tout simplement parce que les nocturnes du côté de chez nous ont été annulées. On est parti, il est 20h. Pour l'instant on a fait 2 km. Et on part sur un circuit tranquille VTT. J'espère qu'on m'entendra bien avec tous les pneus là qui font du bruit. On part sur un circuit VTT, mais assez roulant, de 53 km. Donc allez, on vous embarque avec nous. C'est parti. Bon, du coup, au niveau des conditions climatiques, là c'est assez gris, mais c'est la journée la plus chaude qu'on ait eue pour l'instant. Il doit faire encore 32 degrés, il est 20h. On n'a pas eu cette chaleur, nous, comme ça, dans le Nord, depuis le début. Donc il fait pas mal chaud, on espère que ça va vite se rafraîchir quand même, parce qu'il fait lourd. Il fait gris, annonce de l'orage, donc on verra. On verra si on l'aura ou pas. On est tous équipés, avec les lumières et tout ce qu'il faut. Donc logiquement, ça devrait être plutôt pas mal. Ça devrait être cool, ça va être sympa. C'est vraiment plus en mode balade, hein, et plaisir. Un 5, c'est bien cool. Allez. Il est 21h20, ça fait 1h20 qu'on est parti, on va te faire une pause de 10 minutes pour orage. Parce que le temps se gâte un peu, on a eu une belle drache comme on dit, qui est passée rapidement. Maintenant on va voir comment ça va se passer parce que ça fait tellement chaud là qu'il y a de l'orage. On verra comment ça se déroule, si on rentre avant ou pas, à suivre du coup. Bon, on est à 21h presque 50, on a fait 27 km tranquillement. On a 17,5 de moyenne, hein, c'est
c'est assez tranquille, on grimpe, on a à peu près 300 dénivelés dans la sortie. Ça commence à se couvrir tout doucement. Je sais pas si on peut voir un éclair, parce que depuis tout à l'heure, il y en a, en fait, c'est pas sur nous, mais c'est au loin. On a de la chance, on tourne autour, on va bientôt pouvoir sortir, les lumières. Là pour l'instant on est dans les chemins et tout ça, on est tout seul, on voit encore assez bien. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Et voilà, bah allez, on se retrouve après. Je sais pas si c'est en début blanc, mais on verra ça. Allez, on va commencer à plus voir grand chose, on va peut-être pas me voir, mais là on est arrivé au secteur pavé de Monzampevel. On fait pas toute la partie, mais une grosse partie, hein, on va pas manquer grand chose. Allez, c'est parti, les autres ont pris un peu d'avance et on va aller les rejoindre. À parcourir, on a quasiment fini le chemin, il n'y aura plus énormément de chemin à faire. Donc voilà, c'est assez tranquille, on a plus de pluie, l'orage est loin, c'est un peu plus frais donc c'est plus agréable. Nicolas qui veut passer ici. Allez, j'ai plus énormément de batterie dans cette GoPro là, du coup je vous laisse et puis bah je reprends encore quelques plans.
Bon bah voilà, on est arrivé. 52 km, 16,5 de moyenne, donc c'est plutôt pas mal. On finit, il est 23h23. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Avec Nico, on a fini par un petit passage, tout ça. Hop, on va faire ça un coup parce qu'il y a plein de poussière. On nous verra peut-être pas trop bien, mais bon, voilà, c'est pour dire de finir la vidéo. On a fini par un petit passage à bloc, donc c'est pas mal. Allez, on va aller voir quand même Mathieu et Seb. Bon, allez, maintenant on va manger tous ensemble un petit barbecue. C'est parti. Bon, allez, on se retrouve pendant le montage de la vidéo. Je fais le montage de la vidéo 3 semaines après. J'ai tout simplement eu la flemme de faire les montages vidéo. J'ai plusieurs vidéos à monter, mais eu la flemme en fait. J'ai eu des grosses chaleurs, donc pas de PC pour faire de montage et tout. Surtout quand on fait un montage, ça fait chauffer le PC. Enfin, un petit peu. Bref, enfin voilà. Après, on a été manger barbecue. J'ai pas d'image du barbecue. Au niveau de la GoPro que Sébastien avait avec lui, les images sont pas trop stabilisé sur le VTT, donc c'est dommage, mais on n'a pas énormément d'images de Sébastien. Pareil, dès qu'il faisait noir, c'était pas ouf, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on s'est bien éclaté, on a fait même un peu plus de moyens là, que par rapport à ce que je vous dis dans la vidéo, parce qu'on a enfin mon compteur tournait tout le temps, il n'y avait pas l'autopause, je l'avais enlevé pour avoir vraiment le temps de roulage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se refera ça dans tous les cas. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, s'il y a des petits trucs à faire en plus. Après, on fait au mieux, hein, au niveau de la qualité vidéo, hein, avec les GoPro et tout ça dans le noir, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai réussi à faire une vidéo pas très longue. Donc on va se laisser là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver avec la sortie de nouveaux vélos, ah voilà, des trucs qui vont être assez bien, parce que là ça a été inactif pendant un petit moment. On se retrouve très vite. Allez, bye tout le monde.